suis pas certain. Les gars, vous êtes sûr qu'il c'est pas vraiment une bonne idée d'y retourner là, en fait. On pourrait faire un autre jeu, non? Non? Bon, d'accord. D'accord. Salut les amis. On va retourner dans la forêt maudite pour une troisième session. Parfaitement détendu. À part que j'ai remarqué que j'ai tendance à mourir un petit peu maintenant, non? Enfin, je sais pas si vous avez vu les deux streams précédents, mais oui. Le jeu commence à vouloir jouer un peu avec moi. Alors on va voir si ça progresse, ou si au contraire, on s'éternise dans un labyrinthe un peu concon, qui n'est pas... qui présente pas un grand intérêt, quoi. Comment ça, je suis méchant encore? Non, j'ai juste oublié de mettre la capture et d'enlever l'image. Ce n'est pas un fail. Le premier qui dit ça, je vous rappelle que j'ai vos IP, vos webcams sont sous mon contrôle, donc à votre place, j'éviterai. Hein? On se calme. Allez, où? On va là-dedans, dans la forêt. Promenons-nous dans les bois, pendant que il va y avoir un tas de monde, je pense. Je me suis planté de capture. Ça, c'est un fail, par contre. On peut le compter. Fixed. Mieux. Oh, qu'il est lourd ce curseur. Oh, qu'il est lourd. Alors, continuons, ben là. Alors, pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents, et ça c'est très très mal, bah, je vous dis pas ce qu'il y a. Où on en est. On est à la maison, la deuxième. Ça c'est pour les gens qui les ont vus. Et dans la deuxième, oui, il m'est arrivé un sale truc, parce que je me suis retrouvé enfermé. Mais faut pas que ceux qui n'ont pas vu les épisodes 1 et 2, écoute. Et donc je me suis fait enfermer et il y a une bestiole qui est rentrée, toute noire et toute de fumée faite, et je pense que j'aurais dû me planquer, chose que je n'ai pas pensé à faire dans l'instant tellement j'étais surpris. Et je parle beaucoup pour vous faire patienter pendant cet écran de chargement qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas. Ni pas, qui n'en finit pas, et qui va bientôt être terminé, je pense, un jour, peut-être. Ce. Non, je ne chanterai pas. Et en plus, j'ai pas d'idée de chanson aujourd'hui. Donc, j'en avais ce matin, mais je ne vous dirai pas ce que c'était, puisque j'ai un répertoire tout à fait particulier lorsque je dois faire les corvées de ménage. Oui, ce sont des chansons très bizarres. Alors, ma sauvegarde, salut. Est-ce que j'ai assez de son, moi, dans les retours? Parce que je pense qu'il va falloir que je me guide un peu avec le son, avec les couillonneries qui vont m'arriver. Ça, c'est d'où je suis arrivé, je crois. Ça, c'est où je peux aller. Aller, aller, aller. D'ailleurs, je suis pas allé là-bas. Et vu que je suis un curieux et que la curiosité tue. Attention au sable mouvant. Quel sable blablabla mouvant. Vous y avez presque cru. Hein. Dites pas le contraire. Alors, je vais checker le son pour vous, quand même. Ce serait moche que vous n'ayez pas. Ils sont par là, les sables mouvants, regarde. Ouais, je suis un connaisseur. Donc Monsieur K vise Whale, hein, comme d'habitude. Vous voyez la technique du survivor pour esquiver le sable mouvant et plonger directement dedans, regardez. Là, si je vais là... Bon, ça va. Mais si je vais là... Bah, ça va encore. Mais je vais éviter quand même. Je vais pas provoquer. I'm not a provocateur. J'ai eu une sale idée quand même de pas aller à la maison et de prendre cette direction pour commencer cette petite review là. Qu'est-ce que c'est? Une grenouille. Non, c'est pas une grenouille, c'est pas une grenouille. Agenouille-toi. Cache-toi. Cache-toi. Tu es caché là. Ne parle pas. Putain. Il est gros sur vous. Il m'a engueulé mon espèce. What? Cavale. Quoi? Quand mais c'est trop injuste, diable. Et donc je pense que je vais me réveiller doucement.
Je ne suis pas mouru, c'est la bonne nouvelle. Par contre, je crois que je suis pendu par les pieds. Non. 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 Jean-Michel, l'épouvantail. Quel blagueur celui-là. Bon, je me suis ramassé un gadin. Il serait temps que je me décide à faire quelque chose de, bah voilà, et constructif. Alors j'espère qu'il n'y a pas un sable mouvant pile devant moi parce que je vais être dans la merde. Dis-moi que c'est ok. What is it there? Look, there's a note. C'est quoi cet accent anglais pourri? Ah bah c'est fait un peu exprès, j'adore faire ça. Quelle est cette note, mes amis? Une note qui n'est même pas. Il fallait que je me baisse, ok. Faire parler des escarcrocs quoi. Ah, des fois je bouffe les mots, je suis désolé. Des escarcrocs, des corbeaux. Alors là, du coup, je suis un peu bordé parce que j'ai envie encore de vous sortir une anecdote à la Higgins et je vais m'abstenir. Enfin, je sais pas combien de temps je vais arriver à me retenir parce qu'elle est vraie, elle est très rigolote. Enfin, elle est très étrange aussi. Il y a un corbeau dedans. Bon, vous avez lu, je présume. Allez, on enquille. On save, parce qu'il va se passer quelque chose de super pas cool. On va faire le deuxième, hein. Ce sera mieux. Où est-ce que je suis? Bah, vu que j'ai zéro map, va falloir que je me démerdasse. Je passe à travers. Il y avait des trucs. Alors, je rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi les streams précédents, et c'est super mal, quoi. Je vais sauter sur place, d'ailleurs, pour faire voir que je ne suis pas d'accord. X. Et ben. Il y a des fois des parois où on peut passer à travers hein, quand il y a des symboles. Faut prendre l'habitude de zioter un peu tout. Donc il y a mon pote Jean-Michel qui est pendu là. Ok, pff, ouais, si ça peut lui faire plaisir. Hein. Il y a des ruines. Et je vais continuer d'aller explorer par là-bas. Sinon ça va me faire revenir sur mes pas et je vais avoir l'air d'un mec qui revient sur ses pas. C'est pas génial. Et hop, Gerfleur. Oui, c'est le sponsor du moment de TBG. Vous n'avez pas idée du grand retour que vont faire les Dalgerflor. Non, 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 non. Oui, c'est le fameux non, non, non que normalement vous entendez sur les shmups. Je m'en fous, j'ai mon indice, je rentre. Et je vais pas passer par là où ça schnouf. Par contre, pour courir, je suis mal barré. Parce que j'ai un petit élan là, mais. Putain, nique ta mère. Ok, je vais viser les îlots si c'est ça qu'il faut faire pour te faire plaisir. Mais en fait, c'était une bonne idée que j'ai eue quand même de couper par le terrain non destiné à être une chaussée, quoi. Je vais faire que ça en sautant, tu vois. Non, mais non! Mais pff, oh là! On se croirait sur une certaine chaîne YouTube avec un mec qui a tendance à dire des gros mots et qui s'énerve un peu. Qui est aussi vieux que moi quasiment. 10 ans près. Salut Fred. Oui, il faut le taquiner un petit peu. Il aime bien qu'on le taquine, il a pas assez de troll. Alors, attention, vise mon pote. Parce que maintenant, c'est plus la même chose. Hop. Vise. Hop. Vise. Et tu vas où la connard? Non! Mais. Arrête d'être con, 2 secondes. Tu vas sur la petite motte? Alors chez nous on a une station ski qui s'appelle la Grande Motte, hein, ça n'a rien à voir mais. Fait que je la casse celle-là. Iki! Oh putain de sa mère, elle s'est barrée la motte! On prévient! On prévient qu'on fait ça! Le fair play, tout ça! Non, j'ai jamais entendu parler. Ok, tu recommences. Une médaille. Il est pas très sympa ce jeu. Il est pas très sympa du tout. Ah la. Saute pas dans la flotte, espèce de gros connard intergalactique. Donc rappelle-toi que la petite motte, qui n'est pas la grande motte, donc, elle coule. Et c'est plutôt pas cool, en fait. Vous voyez là-bas?
En plus, je suis en train de prendre froid dans ces marais. Vous avez vu cette humidité? Putain, pas assez d'élan, mais... Putain. Infirmière? Oui, je sais, bah c'est pas un shmup, mais là j'ai besoin. T'as vu, un jeu con comme la lune. Jean-Michel, arrête de te foutre de moi là-haut en plus, je te vois rigoler. Je te vois te poêler. Allez. Iche! Ok? Iche! Ok? Et là t'enchaînes gros. Ok. Zip et zap. Ok, ça c'est la théorie. Hip! Hip hip hip! Les mecs, ils ont voulu te faire un platformer dans leur jeu avec la souplesse d'un truc. Genre, tu fais des sauts en fauteuil roulant, quoi. Et encore, un mec qui sait faire du fauteuil roulant, lui, il ferait un loop carrément, tu sais. Ah, j'ai la rage. L'infirmière, il arrive ce vaccin? Oui, bah si, il va falloir faire quelque chose là, parce que le truc, il est en train de. Bah, tu sens le stress dans ma voix déjà? Eh oui. Même moi, je m'auto-stresse rien qu'en parlant. Je vais me taire. Et puis, ces bruits de ploc-ploc là. C'était peut-être pas une bonne idée en fait, les îles qui coulent. C'est comme les yeux qui coulent, ou non, le nez qui coule, et les. Je vais suivre la lumière, moi, connement. Mais connard, reste là. Il manquerait plus qu'un blaireau qui apparaisse, et je serais trop joy. Mais alors, trop joy, mais. Joy, quoi. Je vais rester là. Je suis bien ici. Oh, que ça va me gonfler, ce truc. Alors, ça va couler. Ça va couler. Ça devrait pas couler. Mon Dieu. C'est cool quand ça coule pas. Et c'est là que je vis que j'étais revenu à mon point de départ. Comme un quoi? Comme un malchanceux. Allez, hop. Petit saut. Hein. On fait des sauts au cas où. Une connerie. Ce serait mort de crever à la sortie, quoi. Et là, je vais avoir un script. Alors, dans le chat, vous pouvez parier 1 euro pour le script. Est-ce qu'il y a un script d'ici la baraque? Si. Il y a un script d'ici la baraque, vous allez sur le Tipeee et vous me devez 1 euro, les mecs. Hein. Ah bah oui. Par contre, si c'est, il n'y a pas de script, il va falloir me mettre un petit commentaire, quoi, que je vous mette un coup de PayPal. Ah oui, non, mais The Beast Gameoski, c'est l'émission sans concession, maintenant. Monsieur K vise Wild, et je connais la fourberie et la wilderie des gens. Et je vais sauver, parce que c'est pas que je suis parano, mais quand même. Oui, je saute tout le temps avant de sauver, parce que je suis content. Regardons ce magnifique dessin avant de rusher à la maison, et je suis sûr qu'il y aura un script, quoi. Donc ça représente, une fontaine. Pourquoi vous demandez si vous savez? Alors ma map, là j'y suis allé, j'ai fait ma corvée, je n'y vais plus jamais, quoi. Là, il y a le saut, il n'y a pas d'ange, donc c'est pas le saut de l'ange, mais on sait pas. Ça devait être un petit test pour vérifier que le crayon marchait, je pense. Là, on a la vallée de la pomme, les maisons, et là-haut, les petits chalets de la station de ski avec un hélico qui va chercher un mec qui s'est pété la gueule. Vous me l'achetez? C'est parti, on va à la maison, là. Je fais des streams de plus en plus clairs, je sais, je suis très confus et j'aime bien justement donner un peu de clarté, parce que moi-même, je n'y comprends rien des fois à ce que je fais. Cours, casse-toi la gueule, qu'on rigole. Je suis pas allé là non plus. Parce que je vous explique, je vous ai expliqué la maison. Non, je vais peut-être pas aller là. Si, je vais y aller. Est-ce que j'ai envie? Pas terrible. Bah, ça pue, hein. Qui c'est qui a pété? Je me casse. Ça, c'est un signe du jeu qui dit que je te laisserai bien passer, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que j'ai fait plein d'énigmes là-bas, t'es pas allé les faire, et il faut que tu les fasses dans l'ordre, mon pote. Ok, on est bien dans un jeu de l'an 2000. Là, c'est du cynisme extrême. Mais du coup, moi, ça me fait un peu peine. Oui, bah le. Et si je passe dessous, c'est mieux? Je pense que ça va être pire, mais. C'est justement parce que ça va être pire que je tente. J'aime les trucs cons. Allô? Allô? Je suis allô? De toute façon, c'est bouche-oreille, les amis. Hein, donc, je suis là absolument pour rien. C'était gratuit.
Et là, donc, on a la tête de la conductrice de bus de South Park. Avec son. Bah, on le voit pas, mais normalement, il y a un nid d'oiseau hein, dessus. Bah, c'est peut-être le seau qui le cache, je sais pas. Ah, je vous mets une ambiance chocotte, hein, je vous avais garanti. Ça doit s'escalader, Coco. On va voir. Je fais tout pour pas aller à la baraque. Parce que... Qui m'interrompt? Il y a peut-être un passage en face aussi. Parce qu'à la baraque, oui, je vais crever. Parce que je suis enfermé dedans quand le script se déclenche et je suis zibé, quoi. Il y a une bestiole qui me bute. Je peux pas monter, je suis pas Lara Croft. Bah, attends, je vais regarder. Non, j'ai pas de sein. Je ne suis pas Lara Croft, je ne peux pas monter. Plus 10 pour mon sexisme, merci. Je vais aller voir en face au cas où. Eh oui, c'est carrossable, mon ami, regarde. Mais tu n'as toujours pas de sein? Eh bien, tu n'es pas Lara Croft et donc tu l'as dans le baba. Oh, je me fais de la peine. Ouh, pardon, je me suis pris un pylône. Bon, ben, inexorablement, on va devoir aller dans cette baraque et croyez-moi, si j'ai pas envie, c'est que j'ai des bonnes raisons. Salut, la maison du bonheur, on peut pas aller là? Hic, hic. Non, veux pas. Bon, ben, on va faire les environs de la maison d'abord. Regardez, il save juste avant parce qu'il sait qu'il va me faire crever cet enfoiré. J'ai des bidons d'essence, je pourrais foutre le feu au truc. Il y a un truc. Enfin, un truc, c'est de la fumée hein, surtout. Oh, ce lens flare, c'est glamour. C'est un appel? Oui. Dans la forge, tu vas trouver l'épée unique. L'épée runique. L'épée qui va te sauver. Et cette petite note, parce que tu aimes les notes. Alors apparemment ça commence à partir en vrille, hein. Je sais pas ce qu'il nous maquille, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il porte un peu du chignon, comme on dit en langage technique. Coucou. Coucou, coucou. C'est accueillant, hein? Eh oui, ce sont les bagnos. Les vrais. Je vais pas refaire le détail que je vous ai fait au premier stream. Ah ta mère! Vite, fous le camp! Ah, je suis tombé dans le caca! Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, pas ça! Mais laisse-moi bouger! Pronto, 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 allez! Oh là, oh là! Allez, comme d'un seul homme, tu y crois? Ramasse la note. Tu la liras plus tard. Ça va, mon cœur s'est arrêté. Ah, oh, se faire attaquer dans les chiottes, c'est quand même une chose horrible, quoi. Dites-moi pas que ça vous est jamais arrivé d'y penser, quoi. Vous êtes là tranquille sur l'espace de paix désigné, universel, quoi. La paix dans le monde, c'est des gens qui vont aux toilettes. Bah oui, ils emmerdent personne d'autre que les toilettes quand ils font ça, quoi. J'ai pas très envie de courir dans ces couloirs. Mais bon, je suis déjà dedans, hein. Je vais m'économiser ma course qui apparemment est très limitée. Pas de trou, pitié. Non. Pas de truc qui s'écoule non plus. D'accord. C'est à croire que je l'ai programmé moi le truc, hein. Les gars, quand on vous dit un truc, ça vous arrive d'écouter? Non, jamais. Ok. Alors, concernant notre pari, est-ce que j'ai gagné? Ou est-ce que vous avez gagné? Pareil, je vous laisse argumenter dans les commentaires parce que moi, pour l'instant, j'ai gagné, quoi. Ah, mais j'en démordrai pas. Mauvais joueur? Mais parfaitement. Parfaitement. Alors, la baraque doit être à gauche. Ouais. Je vais retourner au bagnos hein, quand même parce que je suis curieux. C'était quoi ce petit bug d'affichage là?
Bon, la flotte, c'est pas une amie en général. On va éviter. On va retourner au bagnos. Parce que j'ai pas le temps de me concentrer, de focus sur cette note, vraiment. Et je veux savoir si le monstre des bagnos est toujours là. Pourquoi je ne dis pas les chiottes? Parce que c'est moins bien, c'est moins de l'amour, je trouve. Ah, mais ça, quand vous êtes môme. Non, mais je fais au moins Higgins, quoi. Je vous garantis que aller dans ces toilettes-là. Et oui, chez les paysans, c'était ça. Hein. Aller dans ces toilettes-là avec votre petit cul de môme qui peut passer tout entier à travers, y compris vous qui suis, c'était un calvaire, quoi. Et puis, il y avait l'odeur, les mouches, le confort. Oui, ça a laissé des traces, et pas que deux. Comment ça, je fais tout pour m'éloigner du jeu? Bah ouais, mais j'ai pas trop envie d'aller faire le con. Je veux réussir. C'est ça, je veux réussir. Alors en face, il y a quelque chose hein, qui fait envie. Il y a un tronc peut-être pour passer, on peut aller voir. Je vais retarder le plus possible. Cette porte est verrouillée, ce n'est pas la peine. On l'a déjà fait. Vous voulez que je meure? Vous voulez que je vous fasse voir quand c'est qu'on meurt, comment c'est qu'on... Bon, ok, on va faire ça. Allez, il y a ma petite sauvegarde qui est pas loin, je crois. Mémère. Où qu'elle est, mémère? Où qu'elle est? Elle est pas là-haut. Oui, non, ça c'est un feu. Houston. File-moi ma save. Mais merde, je vais paumer. Ça y est. Alzheimer. Ça recommence. On est dans quel jeu déjà? C'est quoi? Ethan Carter 2? Il est moins bien que le premier. Hein. Bon, tant pis, je vais crever, mais... Je vais essayer de pas crever, ce sera mieux. Voilà, déjà, on vous rassure, on vous dit, ah, t'as bien fait de rentrer là-dedans, mon pote. Donc je vous rappelle que cette porte grande ouverte, bah, elle est grande ouverte pour l'instant, mais je spoil pas. Celle-là, elle est verrouillée de dedans, pour être précis. Et ça, je vais pas le ramasser tout de suite parce que je pense que ça déclenche le putain de script. D'accord? C'est verrouillé et fuck myself. Je pourrais foutre le feu à la baraque. En plus, j'ai une lampe, regardez. Je peux l'éteindre peut-être. Putain, jour-nuit. Que dalle! Et là-bas, j'ai un petit message. Et mon ombre failli me faire peur. Et là, j'ai un chapeau que je peux toujours pas prendre. Pourtant, je suis un chapeau-man. Oui, je vole les chapeaux. Alors, la rune, c'est ce qui est dans la cuisine, apparemment. Alors, si je veux sortir de là, moi, je pense que je touche pas à ce truc. Et je sors tranquille. Vous voulez que je touche à ce truc? Oui, je le sens bien. Mais il faut que je prépare une retraite, hein, parce que ça va mal se passer. À moi. Ha il viendra sûrement éteindre la lumière! Je vais me cacher! Pousse ça, fais tomber! À genoux. Duck and cover. Comment ça, je me suis fait un flip pour rien? Non, 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 je déconne pas, vous allez voir. Minou. Minou, minou, minou. Petit minou. Ouh, il veut pas que je sorte, hein. Il veut fucking pas que je sorte. Il veut fucking pas que je sorte. Il viendra sur moi. Je suis super bien planqué de toute façon. Il peut pas me voir. Luther. Non. Ta mère, je me barre. Ta mère, je me barre. Je me barre, ta mère. Mais je peux pas me barrer. Il y a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Aya de qui? Ok. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que c'est niveau cohérence, c'est un peu cacouné, on va dire. Clé, j'ai une clé. Ok, j'ai une clé pour faire quoi? Pour rouvrir ma porte. Mais j'ai plus trop l'intention d'y aller là-dedans. Regardez dans l'état où c'est maintenant. Alors ça, c'est du gros bug. Oui, c'est du gros bug. Ok, le jeu a bugué. On va éviter dans les zones où ça bug, hein, parce que j'ai déjà assez de soucis dans la vie courante. On va aller voir aussi un accès pour aller en face. Endroit qui m'a l'air beaucoup plus accueillant.
It was hypocrite. Oui, mais t'étais pas là, toi, en fait. Et tu m'empêches de passer, tu veux une baffe? You see my main? Saved, ça veut dire que tu vas crever. Ok. Non, mais moi je traduis tout le temps les jeux, hein, comme ça. Je suis saved. Si j'y vais à la ref. Bah, de toute façon, on n'est plus une mort près, hein, les gars. Allez, yaha! Je suis mononoke et je vais me noyer. Oh, une sauvegarde, c'est gentil. Bon, moi je vais aller plutôt par là-bas, je pense. C'est sympa. Regarde, là où il veut pas que j'aille. Oh, je vais dans les arbres. Je suis la toute puissance. Ça y est, je suis un dieu. J'ai retourné ce jeu. Allez, gros. Ok, le mur invisible. Comme dans les jeux des pas années 2000. Oh, ce que je déteste ça, la vache. Ça fait toujours le même effet. Tu te sens. Tu as l'impression de... Et tu es en plein dedans, en fait. Est-ce que j'ai pas un bout de map ou une connerie comme ça? Alors, mes notes, qu'est-ce qu'il raconte? Épouvantail, il en reste un truc à faire. Map DMC, quoi, man. Donc, la baracas. Et je pourrais aller tout à droite. C'est une bonne idée. Mais pour aller tout à droite, il y a peu de chances que ça passe là. Il faut que je trouve un moyen de passer là. On va essayer la première option. Et puis si elle marche pas, bah on va user de la modestie courante. Et puis voilà. Non, je nage, regarde. Ne m'envoie pas de poisson ou de saloperie comme ça. C'est pas la peine. Tout se passe déjà assez mal comme ça pour que, en plus, si je retourne dans la baraque bugée, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Fuck ça, mémé. Oui, je suis curieux. La curiosité tue, peut-être. Mais voilà, je. Là, je fais pas le con, là. Je veux ce truc. Non! Mais putain que t'es con! Alors comment je fais? Comment je fais? Fenêtre, je peux pas. Ça, je peux pas. Là-bas dessous? Peut-être. Peut-être pas. Là-dessus? Que dalle, ouais. Comme la nageoire du dauphin. La fameuse nageoire... Attends, là derrière! Planque-toi là derrière, espèce de con! Mais putain que... Il te voit pas! Regarde, si tu respires pas. Il va falloir que je respire un moment ou un autre. Pas bouger. Je me casse. Je sais pas où je suis, j'y vois rien. Ah! Bon, j'arrive pas. Il m'a encore croqué le bougre. Je crois qu'il va falloir faire une petite croix sur... Non, une grosse croix même sur ce symbole qui ne m'est pas destiné du tout, quoi. Genre, même si je le veux, je peux pas l'avoir. Je suis le roi du truc sur... Bah, je vais me déplacer comme ça maintenant, non? Ok, c'est pas grave. Ne te noie pas. T'as trop l'air d'un con. Me fais pas ça, sinon vraiment on va pas être potes, quoi. Alors, la baraque, on fait une croix dessus. Hein. Faut pas m'en vouloir, mais elle veut pas de nous. Pff, on va pas la forcer. Ce serait moche que ça se finisse en peau de chagrin avec des embrouilles et tout. Les chiottes, it's done. On va suivre le petit chemin gentiment, voir si il est sans issue ou s'il mène quelque part. Et on va en profiter pour traverser ici. Hop là. Vous avez vu ça, enfin, comme du. Qu'est-ce que c'est? Il se passe des choses, on ne dit rien, on me cache tout. Je suis supposé passer là-dessus, les gars. Bah oui, me faites pas ch... Oh, les trucs invisibles, c'est gonflant. Oui, mais quand je vais passer, il va pas finir de tomber.
Ça lui passerait pas par l'idée. Il y a un passage en face, j'ai pas l'impression. Je vais passer à la con, j'aime bien. Salut! C'était le passage à la con. On y retourne. Le bloop. Youhou! Allez-moi ça. Fais boire la tasse, moi. Bah, je reviens d'où j'étais, c'est nul. Pousse-toi, le tronc d'arbre. T'es pas drôle. Bordel de schnitzel. Alors. Il n'y a pas de passage ici, hein, les gars. Me faites pas croire que ça ne marche pas. Je ne suis pas dupe. Je vais finir mon petit passage là-bas. Je vais éviter de passer sous le gros rocher qui va me tomber sur la gueule. Non sans m'avoir prévenu préalablement. Mais je suis Monsieur K. Et Monsieur K ne se démoralise jamais. Surtout face à une connerie à faire. Oui. Queen. Fais du bruit tant que tu veux. Ça, c'est d'où je venais tout à l'heure. Et on va essayer de se trouver un petit passage à droite parce que monsieur veut pas qu'on passe à gauche. Niki! Vas-y. Tu peux y aller, mon pote. Putain, pourquoi je veux pas passer là? Regarde, ça passe! Il va me faire tomber dans la flotte pile dessus. C'est pas passé loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, on continue, hein, de toute façon. On a commencé, on finit. Et c'est là que je vais déclencher un gourou méditation du programme. Et oui, car ce programme était fait sur Amiga. C'est ce say. De retraverser en face. Quel bordel. Ah, on fait pas les malins là. Où suis-je? Saved. Le jeu est saved, mais moi, loin de là. Oui, ben je fais les petits détours. Un truc qui est passé, on sait pas ce que c'est, mais on veut pas trop savoir, je pense. Hé, hey, Jean-Mi! Mon épouvantail! Qu'est-ce que tu fous là? Des chamallows? Tu m'as préparé à bouffer. Oh, des saucisses! Je vais prendre ma saucisse quand même. Elle a l'air cuite, hein. Jean-Mi! Bon, c'est pareil que le couteau, tu voulais pas me donner le couteau, tu veux pas me donner la saucisse, on va pas être potes. C'est ce que je vais faire. Je vais continuer mon chemin, mais sache que s'il y a une misère à te faire, je la ferai de plein gré, quoi. Parce que c'est vraiment pas sympa ce que tu viens de faire. Il y a un passage à gauche, un passage à droite, allez à droite, hop. Oui, je vais pas tergiverser pendant 5 heures. C'était le mot à caser, tergiverser, cette semaine. C'est super raide, hein. Je sais pas si vous sentez le poids de la montée. Mais là, je... Je veux faire une pause. Ah bah ouais, c'est ça, la montagne qu'on n'est pas entraîné tout de suite, c'est le bordel. Alors, bah c'est encore la folle du bus, parce qu'elle a l'air de meilleure humeur. Oh putain. Non. Oh le con. Je l'ai vu à temps celui-là. J'étais un peu déconcerté parce que j'étais en train de réfléchir à la prochaine bulle à vous sortir. Et du coup, je m'attendais pas trop à jouer Indiana Jones. Tu m'en mets pas une autre, un bonhomme. Sois cool, sois zen. What is what? Il y avait une fontaine. Il y avait un bras. Il y avait Che Guevara. À la force du bras, ouais, on va faire ça, allez, si tu le dis. J'ai une totale confiance dans cette aventure.
Chose que je devrais pas d'ailleurs. Ah non, je vais tomber dans le vide, on va éviter. Bon bah c'est. On va juste regarder le point de vue, hein, parce que c'est sympa. On n'y voit pas grand chose, mais je suis content de vous avoir amené là. Hein. C'était un des buts de la quête. Un petit passage là, et là j'ai quoi? J'ai une table avec un truc, et toujours le Che Guevara. Il s'est passé des choses. On me cache des trucs. Et une sauvegarde, c'est pas cool. Bah oui, parce que une sauvegarde, une main. Faut y penser, les amis. Donc là, it's fucked up. Comme on dit en jargon technique gamer. Et là, on accélère un peu, hein, parce que ça devrait s'écrouler. Mais on y va parce que j'ai la foi. Ne pas confondre avec les fois. Hop là, mine ton cul. Ne tente pas le script. Et on voit que j'ai totalement bien fait de passer ici, puisqu'il n'y a pas plus de trucs. Hein. Je pourrais casser ça si j'avais une hache, mais je peux pas me saisir d'une hache. Car je suis un méga connard. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Je prends, moi, je prends tout. Je suis un pilleur. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais me le manger. Oui, me faites pas dire des trucs. Ok, donc il faut que je fasse quelque chose pour quelque chose. Et si je t'échange avec mon. Pins. Je te donne mon pins. Enfin, le cristal, si tu veux. Non? Bon. Le cristal doit servir à quelque chose. Bon, c'est rigolo parce que au moment où j'enregistre le stream, oui, je parle tout près du micro, il y a quelque chose qui gratte à ma porte. En vrai, à la porte de l'appart. Bon, je déconne pas. Donc si la connexion se coupe, je sais pas ce qui me sera arrivé. Ça sera peut-être pire que dans le jeu. Bon, je tourne little in rond là. It's bad, it's really really bad. Ce cristal, qu'est-ce que je vais pouvoir en foutre? Hop, 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 hop. Donc les mecs, ils ont démarré par une mine et là ils sont en train d'enquêter sur des rites anciens du coup. Ok, soit. Bon, je continue de monter, si je peux, parce que je sais plus trop où je suis là. C'est par où je suis arrivé. Ok, ce cristal, je me rappelle plus d'endroit en particulier, j'aurais eu la bonne idée de l'utiliser quoi. Oui, bah fallait pas marcher dedans, c'est tout. Et j'aime bien marcher dans les feux. Ça vous permet de vous sentir vivant, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie pour meubler? Et ça, fucking noé, c'est quand même zarbe. Un squish! Pas touche! Je te donne le cristal, je t'ai dit. Fais pas la gueule. Il va falloir que je revienne ici, c'est moche. C'est très très moche. Bon. Let's try another way. Et tombe pas dans le trou. Merci. Vous y avez rien de spé là, hein? Non. Va-t-on finir ce stream sur un coinçage, puisqu'on a fait plus d'une demi-heure là. Faire un petit sauvegardage. Pardon. Apparemment, mon cristal, faut que je l'utilise là-bas de l'autre côté. Hein. Il n'y a rien ici. Des bonhommes qui font la fête à la flotte. Youpi. Youpi shabadabada. Un petit check ici au cas où. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de choses miraculeuses.
Je ne m'endors pas. Je n'ai pas bâillé. C'est l'infirmière. Oh, vilaine infirmière, dis donc, on t'a entendu bâiller. C'est moche. Oui, tu bâilles grave. Ça arrive. Bah, c'est l'hiver, on s'enroue facilement. Me voilà bien désolé. Oh, que oui, que je suis désolé. Je vais vraiment fouiller de partout parce que. Petit malin. Il était prévu que je vienne ici, oui ou non? Pas vraiment. Aïe, 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 c'est pas con. Mais je le fais quand même. Parce que je suis un méga connard. Je le rappelle, hein, pour les gens qui n'ont pas suivi les autres streams. Yaha! C'était un méga saut de méga connard, donc. Voilà. Bah, on va peut-être pas tarder à arrêter le stream, les amis, puisque je ne trouve pas ça. Et je vais vous épargner le tournage en rond, parce que c'est très très pénible à suivre en général. Je vais chercher tout seul comme un grand. Ça doit pas être loin. Ça doit être un truc que je suis passé à côté, mais je fais pas le bon truc. On va réessayer ça, mais. Putain, mais merde! On va s'arrêter sur un non-fail du coup. C'est bien ça? La lumière enlève les champs maléfiques. Il faut que j'enregistre ça. Je regarderai ce stream, comme ça je m'en rappellerai avant de faire une autre partie. On va se trouver un petit endroit carte postale et puis on se quitte là. Puis on se fait peut-être une partie suivante, hein, de ce jeu qui est quand même rigolo. Regardez-moi ça, en plus il m'invite à faire l'andouille. C'est sauvé, pile au bel endroit. On se fait une petite carte postale. Je vous fais des bisous. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, c'est important. Je vous laisse les deux playlists habituelles. Et on se retrouve un de ces soirs à 21h. Ciao les amaches. Ça gratte quand même à la porte.